centrale, couloir, allée centrale, couloir, tombe douce. Eh oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu lis là? Francisco Bolero Ortiz, 1939, Argelès-Plage. Ben, c'est un indien, non? Un républicain. Un rojo. Eh oui. Tu sais qu'ici, il y en a blanc? Bien sûr. Tu te savais ça? Parce que, comme ils ont été des travailleurs forcés, c'est en partie eux qui ont fait les murs de l'Atlantique. Hein. On n'en parle pas d'eux dans les livres. Hein. Mais il y en a plein. Rafael García Donaire, Antonio Alcázar, Manuel Rodríguez Ramos, Antonio Palazar, Abuela Jacinta. Il y en a plein. Moi, j'adore aller dans les cimetières. Et à chaque fois, ben, je cherche le nom des Espagnols. Et je me demande, est-ce qu'un jour, moi, je serai là, entourée des Manard, Pierre-Jean, Talarnand, Floc, Gestin, Pierre Marek, Talek, Legal, Leonor Canales García, au cœur de ta passion qui était insaisissable, libre comme l'eau. Pierre, Pierre, si tu n'avais pas été marbré, tu aurais voulu être quoi? Ben je te l'ai déjà dit, hein? Normalement je devais être professeur de castellano. Mais je suis marbrier, marbrier depuis des générations. Mais clown, est-ce que tu aurais voulu être clown? Oh, clown, c'est trop difficile de faire rire les gens. Hein? C'est beaucoup plus facile de les faire pleurer. Et Pierre, Pierre, ta retraite, c'est quand que tu prends ta retraite? Il s'arrête. Il fait des grimaces. Puis il dit, tu n'as qu'à demander à Macron. Pierre, 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 qu'est-ce qu'il y a après la mort? Oh, je n'en sais rien, moi, ce qu'il y a après la mort. La seule chose que je sais, c'est que les atomes ne meurent pas. Et nous sommes des atomes. Mais Pierre, Pierre, qu'est-ce qu'il t'a pris ton métier? Ton métier? À relativiser et à vivre. C'est vrai que ma mère disait ça souvent aussi. Elle disait, tu verras quand tu auras mon âge que le temps passe beaucoup plus vite. Et moi j'avais remarqué que le temps passe plus vite quand on fait toujours la même chose. Quand on varie les activités, le temps, on n'a pas la même notion du temps. Voilà. Fin de la conférence. Bon, je n'ai pas que ça à faire. Hein. J'ai une estelle à soulever et mon camion à réparer. On se voit demain, hein, à 9h30 ici, carré 9, tombe 24. Et n'oublie pas, señorita, hein, ça passe vite. Alors, vivez.